Gouvernement pays Canada a annoncé côté confirmé sanction contre ministre haïtien Bertrand Dorsey Aklis Ketel pour financement gang en Haïti. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue, pas oublier, jeudi à nous encore 20 décembre 2022, nous comptons ensemble avec mes principales informations à clôture, nous pour le développer pour vous en temps. Journal là pour jodi a. Information qui sortit la caille voisin confirmé des haïtiens à clot encore victime dans un accident bus rivé frappé yon à clot la cause goke cassé rivé dans population haïtienne. Nous gagnons deux morts qui sortit dans campagne. Yon policier tombé en babal moun yo pas arrivé identifié dans Delma 30 dans zone la caille et situation ça arrivé sous un cas malhonnête pays a absibi depuis quelques temps cap taillé banda et nous pas connait qui côté ça a privé. Gagné tout PM Ariel qui depuis quelque temps a annoncé un éventuel débarquement force étrangère en Haïti. Cependant, dans optique ça, chef primatia réitéré volonté avec demande ça, m'a dépressé pressé communauté internationale là pour pencher sous cas Haïti a mandé yon force étrangère vienne aider Haïti à l'endroit Nations Unies et puis décrété année 2023 yo consacré ak élection nan moyen pour capable renouveler ou bien mettre institution l'état yo sous pied côté yo capable élu yon président démocratique sénateur député pourquoi pas magistrat dans toute ville yo yon fois encore rete ensemble avec nan micro journaliste yo Sofia TV 83 gete parler nouvelle là et mandé signe pour qu'on fait ça ak l'autre monde qui visite nous pour première fois abonné ak channel là ou pas regrette toute information yo a venir la caillou sans gratter tête, nan bon gentil mamite. Nan République Dominicaine, gen deux citoyens haïtiens qui malheureusement décédé ou mouri nan un accident circulation qui fait de nou te kam nou kapabwe image sou tout réseau social côté selon nou pral ba ou plus détail sou ça et sou réseau social yo même les di gen deux moun qui mouri parmi deux haïtiens qui mouri mais selon image yo gen plusieurs moun qui semblé mouri. République Dominicaine gen deux citoyens qui mouri nan accident circulation, deux compatriotes haïtiens sa yo mouri ayè lundi nan accident circulation qui fait nan Azuya, 87 km dans l'ouest, capitale Santo Domingo. Selon ça, et quotidien Listing Diario rapporté, li précisé gain et plusieurs blessés qui recensé accident sa fête pendant un bus transport public qui assuré trajet Elias Pina Santo Domingo avec un camion qui entré en collision sous autoroute Sanchez là dans zone Azuya. Information sous deux monde qui mouri pas révélé mais yo ka yo gen l'âge entre 43 à 34 l'année. Selon témoin yo chauffeur camion te prêté sauvé après accident yo blessé yo transporté au bien rapide dans l'hôpital régional Tawana dans province là toujours selon un journal Listing Diario. C'est ça, c'est deux compatriotes haïtiens qui mourent dans accident circulation dans République Dominicaine. Nous après tourner la caille nous avec information ça. Malheureusement c'est comme ça nous a pas commencé journal là gagné policier Gauvin Roule qui c'est un policier agent 4 qui malheureusement tombé en babal hier lundi dans Delma 30 dans Delma 31 policier a été détaché avec chef personnel d'APLA selon Sinapoa. Jean Odoulan gagné Gauvin Roule agent 4 qui c'est non policier d'APSA qui tombé en babal nèg exam il pas arrivé identifié hier lundi selon information action ça t'a passé bon la Kali dans Delma 31 après appelé policier ça t'est détaché avec chef personnel d'APLA déjà gagné 53 policiers qui tombé en babal pour année 2022. Nous pour aller dans l'autre dossier dans journal là avec premier ministre Ariel Henry j'ai noté annoncé ça dans titre journal là et gagné premier ministre Ariel Henry qui recevoir dans résidence officielle li nan Musso salutation officielle fin d'année avec nouvelle corps diplomatique chef mission diplomatique consulaire ak représentant organisation internationale yo dans discours circonstance le chef gouvernement remonté à année font rappel pour année 2022 qui était difficile pour pays d'Haïti côté sécurité problème économique tap taye banda Ariel Henry dit souhaiter force multinationale mandé
privé dans le pays pour venir supporter PNH là. L'était salé GFO international là qui sanctionnait Silayo qui n'a connivence à gang dans le pays. En côté premier ministre Ariel Jean-Philippe Masséa. Hélas, force est de constater que si le ciel nous a fait grâce des catastrophes naturelles, l'année qui s'achève nous a amené son lot de turbulences causées par les hommes. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, ni vous assommer avec un inventaire de cas de kidnapping, des meurtres, des blocages de routes, empêchant la libre circulation des hommes et des biens. Tout ceci dans un contexte de récession économique, d'inflation galopante et de difficultés pour nous à vivre au quotidien. La situation qui prévaut aujourd'hui nous impacte tous, mes compatriotes d'abord, mais aussi nos amis étrangers qui ont eux aussi été touchés. Je devais, à la vérité, de dire sans langue de bois ce qui n'a pas été au cours de l'année écoulée. Mais je suis par nature un lutteur et un optimiste, un patriote et un démocrate, qui croit toujours qu'en dépit des difficultés qui peuvent paraître insurmontables, nous devons continuer à nous unir pour sortir Haïti de cette crise interminable. C'est pour cela qu'avec le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger, nous avons pu conjuguer tous nos efforts pour éviter le pire voulu ou souhaité par certains. Au prix de lourds sacrifices, nous avons mobilisé des fonds pour doter la police nationale d'équipements indispensables pour effectuer sa difficile mission, même si des difficultés de livraison des immatériels ont limité considérablement sa capacité d'intervention. Nous avons sollicité l'assistance d'une force spécialisée pour accompagner la PNH en vue de rétablir l'ordre sur l'ensemble du territoire et de faire régner la loi. Je saisis l'occasion pour remercier le secrétaire général des Nations Unies pour avoir relayé notre demande auprès des membres du Conseil de sécurité. Nous espérons que dans un avenir proche, cette force multinationale d'appui à la PNH pourrait être à pied d'œuvre. Nous apprécions le support de la communauté internationale qui a démontré son engagement à nos côtés dans la recherche d'une solution durable à la crise, en prenant l'initiative de sanctionner ceux qui soutiennent les gangs armés et alimentent les trafics illicites de toutes sortes. Nous l'en remercions. De l'autre côté, Premier ministre l'a dit, année 2023, puis année électorale, dans ce sens-là, il comptait sous support paysan mis pour établir la paix dans le pays. Ariel Henry lance un appel à tout secteur dans le pays pour rejoindre l'île dans le cadre d'un compromis national qui a débouché sur l'organisation élection pour mettre paysan. Bay Elion, écoutez, une autre fois, Ariel Henry, toujours dans le micro, Jean-Philippe Masséa. Nous avons besoin de la solidarité agissante des paysans pour rétablir cet environnement sécuritaire indispensable si nous voulons permettre aux acteurs politiques et de la société civile, de faire campagne en toute liberté, sans avoir à craindre pour leur vie et celle de leurs militants. J'insiste sur ce point parce que nous avons la volonté, la ferme détermination de faire de l'année 2023 l'année des élections qui nous permettront de remettre sur pied nos institutions démocratiques et de rendre la direction des affaires du pays à des élus librement choisis par le peuple haïtien dans le cadre d'élections transparente et inclusive. Mesdames, Messieurs, je vous prends à témoin pour lancer un ultime appel à celles et ceux qui croient dans les valeurs démocratiques à se joindre à ce compromis national qui nous conduira vers un transfert apaisé du pouvoir à des élus. Certains me reprochent d'avoir perdu trop de temps à chercher un compromis. Mais je continue de croire que c'était la bonne formule, parce que c'est dans l'unité que la famille haïtienne a réalisé des prouesses dans le passé, et c'est dans l'unité qu'elle triomphera dans cette crise et s'offrira des perspectives de stabilité, de prospérité et de bonheur dans une Haïti pacifiée, une Haïti prospère, une Haïti à nouveau fière. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous contenter de prendre de bonnes résolutions pour l'année prochaine. Nous allons avancer maintenant avec les femmes et les hommes de bonne volonté qui le souhaitent et prendre les dispositions qui apporteront la preuve de notre détermination à tout mettre en œuvre pour revenir dans les meilleurs délais à un fonctionnement normal de nos institutions démocratiques. Nous continuons à parler aux uns et aux autres.
Doyen corps diplomatique César Alberto fait qu'on est corps diplomatique pas jamais ménager Gfoyo pour soutenir peuple haïtien. Diplomate là fait qu'on est crise politique là qui a un impact sur la vie peuple haïtien, surtout insécurité qui passe suspend valer terrain. César Alberto fait qu'on est obtenir un consensus large dans mitan différents acteurs pour finalement joindre une solution acceptable à crise là. En côté César Alberto dans micro Jean-Philippe Masséa. Nous avons pas cessé de faire des efforts pour soutenir Haïti dans cette crise que l'on définit comme complexe et multidimensionnelle. Les chefs de mission présents ici connaissent les souffrances et les besoins du peuple haïtien et ils collaborent en coordination avec le gouvernement pour atténuer et améliorer la situation des personnes touchées par la crise. Pour autant, il y a une dimension qu'il me semble important de souligner. Et cette dimension humaine impacte sur la majorité de la population et sur nous-mêmes à travers de nos communautés de résidents, les personnels haïtiens qui travaillent dans les ambassades et les fonctionnaires des ambassades, des organisations internationales et des organisations non gouvernementales accréditées en Haïti. Nous avons tous été touchés par l'augmentation des problèmes de sécurité au cours de l'année écoulée. En ce sens, nous souhaitons adresser nos remerciements appuyés à la police nationale d'Haïti, lorsque nous avons fait appel à elle quand nos installations et nos collaborateurs ont été affectés par l'insécurité. Je voudrais aussi m'adresser aux ambassades et aux membres du corps diplomatique pour leur solidarité lorsque notre fonctionnement a été affecté à chacun de ces crises. Un diplomate est celui qui s'occupe des relations internationales entre les États. Bien évidemment, je crois que chacun d'entre nous voudrait davantage, à l'instar de nombreuses ambassades dans le monde, travailler avec actifs sur le domaine traditionnel de notre action, comme promotion culturelle, promotion commerciale ou la négociation des accords internationaux de diverses sortes. Aujourd'hui, ces questions ne sont pas oubliées, mais elles sont trop souvent remplacées à l'ordre du jour par le dialogue avec les acteurs politiques, économiques et sociaux haïtiens, puisque c'est leur action, en complément à celui du gouvernement, de qui dépend les conditions de vie de la population, telles que la sécurité alimentaire, les droits humains, l'éducation, la santé, la corruption, la transparence et d'autres. Ces ne sont pas les seules questions prioritaires pour nous, les diplomates accrédités en Haïti. Nous espérons voir, pendant la durée de notre poste à Port-au-Prince, une solution démocratique issu d'un consensus large entre les Haïtiens, pour donner des signes d'espoir à une population qui souffre sous les conditionnalités déjà mentionnées et qui attend s'exprimer par voie des urnes. Avant de finir, je voudrais mettre en relief les efforts continus des Nations Unies et de nos collègues qui travaillent dans les différents forums multilatéraux, notamment les régionaux. C'est toujours gros embouteillage en bas Pompio pour jouer une gaz, sans compter un pilote qui était fermé. Galon gaz a déjà 1500 gouttes dans la rue. Alex Gauthier était penché sur le dossier, ça, l'a présenté nos reportages. De jour en jour, rate gaz la a pris forme dans le pays. Si yon pompe kap bay yon ti gaz, c'est un bas gros embouteillage à gros bousquilade. Quelques citoyens ont expliqué péripétie en bas pompe gaz yo. Ratement gaz qui est mon cher. Bon, vous bagage, je ne vous fonctionne, vous avez $300 à tel en la rue. Vous déjà, ratement gaz qui est, vous mettez vous gaz, ça c'est payé, son pays pour salier. C'est un pays, nous bagage un gaz pour fonctionner, dio et monte gaz, dit, y'a fait ban gaz à l'aise, nous bagage, je ne vous fonctionne. Citoyens n'ont pas mis de l'eau dans la bouche pour dénoncer l'irresponsabilité du gouvernement en place là, qui la cause. Situation s'est répétée une autre fois encore. Il y a un vieux pays qui s'est dit, j'en ai aïe, j'en ai fonctionné, l'État est sous cette durée, parce que tu as fait un bagage sérieux, il va la canamiser pour gaz. Le pays a gagné les mots pour nous mourir là-dedans, pour nous sentir satisfaits. Ratement gaz là entraîne une stratégie pour continuer à monter prière sous marché, j'en ai fait la dernière fois. Si nous devons quoi, citoyen ça, qui rappelait Goué Pac, situation ça gagne sous ce peuple là. Je dis mon yo quand le gaz là pour qu'on mette $24 sous lui. Et ma gaz qui va gagner. Comment ça fait mon yo quand ça ouvre là-dedans? Chacun a besoin de monter, le campé pour qu'on monte. Comment ça? Comment je mets ça à la tête? Parce que n'a pas qu'à faire comme ça. Pour les gens qui ont payé, fonctionner, payer, déjà pour monter gaz là, ça a été malheureux, t'as tué net. Citoyen ça a encouragé le gouvernement à créer conditions pour être capable de jouer le gaz là sans tête chargée. Je souhaite pour jouer le gaz pour fonctionner dans le pays pour petit pour qu'on l'école. Galon gaz là déjà 1500 goud sous marché informel là pendant le était difficile dans pompio qui eux même préféré vendre gaz là dans galon au lieu machine avec motocyclette.
Effectivement, il y a un plan pour remonter le prix gaz là encore, d'après plusieurs syndicalistes transport. Gros autobrés qui dans le commerce gaz n'est pas satisfait par rapport à bénéfices qu'ils ont fait dans le dernier ajustement. Qui donc, ils ont proposé un autre ajustement d'après syndicalistes du club bénissois qui dénonçait le comportement sous cette secteur privé. Imaginez où vous venez l'État pour, ou dit l'État, mais pour combien comme l'État est bon comme là, pour l'acheter pour 115 dollars. Là, on vient dire l'État, on ne peut pas cacher pour ta comme c'est pour subventionner l'État bon li pour 50 dollars. Ça veut dire, ou est combien comme vous faites? Vous faites 65 dollars. C'est là où vous faites comme là. On te donne des jeunes d'Abdi. Vous faites 350 millions de dollars. C'est menti parce que vous faites près de 1 500 000 dollars. Par année sous Gaza. Quand il y a là, on finit acheter, ils font l'autre cop, ils font comme dans le stockage. Quand il y a là, qui ça a fait? Là, Ariel entré, Ariel vient faire toute compagnie distributeur, vient tourner, compagnie qui a acheté gaz. Il pas vrai, au cop là. Ça veut dire, si vous voulez vendre gaz, vous mettez à l'acheter gaz. Vous mettez à l'acheter gaz. Ça a fait, ils ont son premier stock. Yo a fait déficit. Yo la gen gaz la marché noir. Et ça faut gen doit pas jeune gaz là là le problème pour joindre là pour joindre gaz à terre ou en privé là n'importe côté ouais tout côté plein gaz. Koun ya ça fait, il a fait marché noir. Mais koun ya pour l'état gen contrôle là parce que marché noir vinn trop, les gaz a vinn pipi koun ya, l'état vinn perdre du contrôle. Ça le fait koun ya, il fait yo bloqué en bas parce que en 2021 Saint-Calévêque t'es dit, mais qui a encore l'État t'est trouvé à bandit. Le bail comme là, et puis votre pays a ouvert. Mais il n'y a pas qu'on satisfait. Parce que quand il y a eu qu'on fait, l'État est comme subventionnel, il n'y a pas qu'à faire comme là. Parce que quand il y a ça, il n'y a qu'à l'acheter. Il y a un crédit, il y a une lettre de crédit. Quand il n'y a pas qu'à faire comme là. Quand il y a besoin d'une augmentation, de 150 gouttes. Mais nous avons des fonds en Haïti. Moun kap dirige nou gon defo, yo kon prix standard international. Yo konne, et on gagne un gaz à 25 dollars États-Unis. Mais yo pas jam dou kon be, yo employé à toucher États-Unis, que le cap acheter gaz à ou même ou pas acheter. Il n'y a pas de qualité à tout. Oui. Non, problème qualité, ça me défend un rapport sur lui. T'es gros compagnie qui t'a eu les Novum. Qui t'a eu les Novum, qui t'a gagné un appel d'officier. Et puis ça le fait, il y a un gaz de mauvaise qualité. Gaz, vous êtes comme nous, alors, il y a un gaz qui marqué PB95, PB et SPB 90. Et puis monsieur vient dans un gaz qui est plus bas que 80. Les gaz à plus bas, ils viennent plus. Mais ils viennent de mauvaise qualité. Et ça mais fait, la crase les motos tout. Ils crasent, et ça fait en 2016, un pile moto écrasé. 2016, ils ont retiré le contrat à la main. Novum n'a pas même un bureau en Haïti. Il était un représentant que vous mettez sanctions sur lui là. Il n'y a pas déjà. Mais il y a déjà, oui, mais nous n'avons pas je dis, et le conseiller me dit, pas l'homme, mais nous pas parler de monde. Bon, l'été gagne subvention, il était qu'on fait comme avant. Il n'y a pas qu'à faire comme ça encore. Quand il y a le 170 gouttes là, c'est anormal, il y a fond un dollar, deux dollars sur galon. Il n'y a pas qu'à faire et il y a déclaré pour qu'à l'aise pour Gaza à 150 dollars. 770 gouttes pour faire volume comme que tu as aimé faire. Gaz comme produit transversal, pas d'adoué la mer privée. C'est à l'État qui t'a adoué. Sainte responsable Sainte Kay l'évêque l'a rappelé tout, c'est gros l'argent qui a brassé dans le commerce gaz là, ça qui empêchait l'État de résoudre le problème gaz. Défenseur d'Omouna pour comme exemple, Sainte stockage qui était gagné dans certains départements dans le pays, l'État abandonné sous pression, certains gros bras qui a fait gros l'argent dans le gaz dans le camion. Écoutez, on l'autre fois, gardez maison neuve, toujours dans le micro, Manet samedi. Déconcentrer gaz, elle pas fait parce que majorité nègre qui dans l'État ou bien nègre qui dans le secteur privé, il y a un camion qui prend gaz à Port-au-Prince, mais les locaux, mais les locaux. Au caille déjà. Il y a 9 gouttes sur chaque galon. Au caille déjà. Au caille déjà, du côté de la baie des Flamands à oui, Cavaillon, gagné déjà structure qui te qu'on prend gaz pour centrale des salines. Nègre plutôt abandonné, au lieu de résoudre le problème, de mettre gaz là dans pour porter pour tout grand sud là, parce que tout près c'est lui. Au lieu de décentraliser, pour mettre gaz là. À 9 gouttes par gallon Port-au-Prince, camion pour député, pour sénateur, pour nègre dans le secteur privé, souvent le carbone, tout, parce que la semaine prochaine, cette calibre passe sur une autre, sur tout qui gagne. Rapport. Un rapport sur tout, eh bien, un pile et c'est fait.
pour ça, ils ont bloqué. Est-ce qu'il y a des possibilités pour monter Gaza? Des possibilités pour même tout, et nous, là. Parce que depuis où l'État n'a pas existé, depuis l'État n'a pas existé, ils ont fait ça. Vous voyez, il y a des bagailles qui a fait là, il n'est pas entré dans aucun cadre côté Mouna vivre dans l'État, côté gagné exister l'État. Ou bien, ouais, nous avons près de 2 ans, parce que depuis un mois de juin, nous n'avons pas traversé à l'OCA, mais nous étions tranquillement. Et le directeur général de la police vient, il dit, très bientôt, nous avons une solution. La communauté internationale vient, il dit, ma paix d'eau. Et puis nous tous bien vagues. Semaine, ça, c'était OCA, c'était Grand Sud, qu'on y a même tout grand noir, on n'a pas passé même. Qui sont faits? Et pas monter gaz, on va pas faire, mon cher.